50 000 dollars. La microbrasserie de Gaspé se positionne aussi dans le marché québécois où la bière en canette, plus facile et moins chère à distribuer, représente 60 % des ventes. Le succès économique du jour est l'initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média. Au panneau d'arrêt, tournez à gauche, puis prenez la deuxième rue à droite. Il est 13h20. J'étais au téléphone avec un auditeur. On parlait pas de dinde et de recettes de dinde sauvage. On parlait d'un problème sur la 337. La 337 est congestionnée, là, je vous le dis, un petit peu après le chemin Newton, jusqu'à dépasser légèrement la montée majeure. C'est un camion qui a pris le champ. Alors, la 337, là, est pas mal congestionnée. Au feu de circulation, tournez à droite, puis tournez à gauche. 337, il y a une bonne congestion de ce côté-là. Alors, Athanase, écoutez, je la vois pas nécessairement. Ce que je vois, c'est la congestion, là. C'est ça, qui commence un petit peu avant la rue Rodrigue, tiens. Pour être bien, bien, bien précis, là. Un peu avant la rue Rodrigue et presque jusqu'à la rue Berry. Pour les gens de Terrebonne, vous connaissez bien votre secteur. OK. Un camion qui a mal négocié une courbe. Bon, après le réseau qu'on a fait avant la pub, on va aller voir la rive sud. Le pont Mercier, en fait, toutes les traversées de la rive sud vont bien, à l'exception de Jacques-Cartier-Sud. Je pense qu'on peut carrément parler de congestion qui commence, vous savez, les deux courbes, là, quand on arrive, c'est-à-dire la courbe, quand on arrive de Papineau. Au panneau d'arrêt, tournez à gauche. Ça fait un effet d'entraînement, ben, c'est là que ça commence. Juste à l'île Saint-Hélène. Alors, je suis vraiment curieux d'avoir, un, savoir pourquoi, et deux, là, je peux vous dire de quoi il en tourne exactement, Jacques-Cartier, en direction sud. Jamais je croirais que la bande sauvage qui était sur sa chaude. Dans 2,5 km, tournez à droite sur la chemin de la Côte de Liesse. Elle est une experte en bande sauvage. Il y a des travaux, la voie de droite est entravée.